Christophe, François, et bienvenue sur Dragon X Capital. Ouais, bienvenue sur Dragon X Capital. Alors François, Dragon X Capital, ça en résumé, c'est quoi ? Dragon X Capital, alors d'abord il faut savoir une chose, hein, Christophe, c'est que c'est pas encore une méthode, d'accord, c'est pas non plus un logiciel. La chaîne Dragon X Capital, c'est pour présenter cette chaîne qu'on est en train de mettre en place actuellement, qui a parlé justement, comme le dit le titre, hein, du capital. Voilà, parce que je trouve que c'est super important de parler un petit peu d'argent, de vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on gagne de grosses sommes d'argent. Dragon X Capital, c'est surtout cette partie-là. D'accord, parce que tout le monde le sait. L'argent, c'est quand même primordial pour vivre heureux. Exactement, ouais. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer Dragon X Capital. Qu'est-ce qu'on va montrer à travers cette chaîne ? Eh ben, on va montrer comment est-ce qu'on construit une méthode, étape par étape, pour arriver au niveau à où on est actuellement. Et ça, c'est vraiment le but de cette chaîne, vous accompagner étape par étape pour vous montrer comment est-ce qu'on met en place une méthode de A à Z, comment est-ce qu'on choisit notre fameux bookmaker et surtout, comment est-ce qu'on choisit la gestion financière. Tout ça, on va vous l'apprendre à travers cette chaîne. Un bon programme, non ? Oui, mais là, je ne sais pas trop quoi dire. c'est pas très grave. Donc, du coup, à travers cette chaîne, donc ça, c'est vraiment la première vidéo. C'était surtout pour présenter Dragon X Capital. Rappelez-vous d'une chose, hein, ce n'est pas non plus encore une méthode. On va vraiment parler sur cette chaîne de capital. Et ça, c'était vraiment super important. Parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais, comment est-ce que vous faites pour construire vos méthodes ? Comment est-ce que vous faites pour choisir le bookmaker idéal ? Et surtout, comment vous faites pour avoir la gestion financière ? Gestion financière sera surtout Christophe, hein, qui va plutôt, lui, mettre en place toute cette partie-là sur le domaine de la gestion financière. On va vraiment aborder toutes les techniques du trou, du plat et de l'obstacle, puisqu'on a un professionnel du trou. Donc, du coup, on va en mettre du trou à l'intérieur. Et pour le plat et l'obstacle, hein, ce sera plutôt ma partie à moi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes impatients de voir tout ça. D'ici quelques jours, on va ensemble décortiquer une première méthode. Pour ceux qui veulent le logiciel, évidemment, ce sera uniquement pour les abonnés, hein. M'envoyez pas, mais c'est comme ça en fait, on est une chaîne et donc du coup on veut vraiment finaliser donc les abonnés et donc pour faire en sorte que vous aussi vous puissiez avoir tous les logiciels et toutes les méthodes qu'on va mettre en place et tout ça gratuitement. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça, Christophe ? Non, tout simplement côté gestion, économie et tout ça, on va reprendre les bases de l'économie. Ouais. Petit à petit, savoir à quoi ça nous sert réellement et savoir pourquoi il faut le faire. C'est tout à part ça. Ouais, je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Il y a vraiment des gros chapitres qui vont être consacrés à chacune des méthodes qu'on va mettre en place, vous allez voir. Et ça va être du lourd, hein. On va vraiment envoyer du lourd. Mais ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de cette formation gratuite que vous allez avoir, eh bien, vous puissiez avoir un bon bagage en main. Et pour ceux après, évidemment, qui veulent aller plus loin, il y a la formation, évidemment, Dragon qui est juste en dessous. Mais en tout cas, là, notre but, c'est pas de vendre quoi que ce soit, surtout de vous former, de vous apprendre et surtout de créer une communauté. Voilà. D'autres questions, Christophe ? Aucune. Ok. Eh bien, écoutez, à bientôt pour Dragon X Capital. Bye bye. Au revoir.